Samson. Allez, c'est parti, Dembo. Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu triste parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à Walt Disney World. Mais d'un autre côté je suis quand même contente puisque juste après il y a la Disney Cruise Line. Donc ça c'est plutôt cool. Hier j'ai été très malade, ce qui fait que du coup j'ai pu regarder Happily Ever After, mais pas le spectacle Once Upon a Time. Donc aujourd'hui je compte bien le regarder et le découvrir. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est un Disney Bound de Peter Pan. Alors c'est pas hyper flag comme ça, mais vous verrez ça dans la vidéo puisque c'est le Disney Bound que vous aviez choisi dans ma dernière vidéo sur le sujet. Donc je vais vous montrer comment faire ce look. Et cette fois-ci je vous emmène à Magic Kingdom avec moi, on y va. Alors aujourd'hui ça va pas être une journée très riche en nouveautés pour vous, puisque bah, comme c'est ma dernière journée, je veux absolument refaire mes attractions et spectacles préférés. Mais j'espère quand même que ce vlog vous plaira et que vous vous amuserez autant que moi à le regarder. J'aime cet endroit, c'est juste à côté du château comme vous pouvez le voir juste ici et je trouve ça juste génialissime. C'est un petit clin d'œil un peu sympa. Bon, me voilà en place pour la Festival of Fantasy qui est ma parade préférée de tous les parcs Disney, en tout cas de tous ceux qui m'ont été donnés de voir aujourd'hui. Donc du coup je me suis replacée parce que je voulais la revoir avant de repartir pour la France et pour la Disney Cruise Line.
pendant que je vous tiens la Pixie Army, je voulais vous parler de quelque chose. J'aimerais beaucoup faire à mon retour en France une vidéo spéciale où je réponds à toutes vos questions sur Walt Disney World, sur mon séjour, sur les différences entre 2016 et 2018, tout ça. Donc si vous avez des questions un petit peu particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si les questions sont pertinentes et intéressantes, j'en ferai une vidéo. Donc à vos claviers. Un aveu, la Pixie Army. J'ai été refaire des photos avec ses clochettes, mais elle était trop chou. C'est mon personnage préféré, et comme on l'a pas à Disneyland Paris et qui avait que 5 minutes d'attente après la parade, je me suis dit bon allez let's go, allons lui faire un coucou. Et elle était juste adorable, donc super contente de l'avoir vue. Bon, j'ai pas filmé cette fois-ci, mais je voulais malgré tout quelques photos. Je vais aller refaire l'attraction de Winnie l'ourson, sachant que je vais aller regarder, parce que d'après l'imagineur que j'ai rencontré hier, il y a Mr Toad qui est caché, puisque en fait avant l'attraction de Winnie, c'était lui qui y était. Donc il y aura un easter egg en début d'attraction. On va essayer de voir ça si on le trouve ensemble. C'est parti pour les aventures de Winnie le Nothon. Winnie le Pou. On allait chercher la bague de la mariée dans la file d'attente pour Haunted Mansion. Je n'ai pas pris de passe-passe pour l'attraction, donc je vais faire la queue normale et je vais en même temps vous montrer les différentes interactions qu'on peut trouver dans la file. Regardez comme c'est joli, il n'y a plus de la queue. Donc là ça y est, on entre dans la partie un peu plus interactive de la queue, après toute une partie un peu nulle où il se passait rien. Je pense que celle-ci c'est pour Mark Davis qui a fait l'attraction. Il faut savoir que tout ce que je vous montre là, vous ne le voyez pas quand vous faites la queue en mode passe-passe, vous ne le voyez que quand vous faites la queue entière en fait. Elle est juste ici, regardez la Pixie Army. Alors j'ai dû m'aider d'une cast member qui m'a aidée, et je suis également tombée sur une cast member française qui faisait son premier jour aujourd'hui, donc Eleonore si tu me vois. Et donc voilà où est la bague en fait, et donc ce n'est pas une rumeur. You hear that, Samson? Beautiful.
Bon, et bien c'était la dernière fois que je faisais cette attraction pendant mon séjour à Walt Disney World en 2018. Bon, en définitive, si je devais faire le comparatif, mes deux maisons hantées préférées, enfin mes deux Haunted Mansions slash Phantom Manor préférées, ce sont celles de Californie et de Disneyland Paris. Pour des raisons très différentes, elles sont pour moi imbattables. Enfin, je peux pas les comparer, c'est compliqué. C'est deux histoires différentes, deux thématisations différentes, mais l'une comme l'autre sont très bien réalisées. J'aime moins celle de Walt Disney World. J'aime la queue parce qu'elle est très interactive et j'aime également certains effets spéciaux qu'on n'a pas chez nous. Donc je préfère quand même les deux autres, mais celle de Walt Disney World est quand même pas si mal, même si elle est moins inoubliable à mon goût. Je me trouve actuellement dans la partie Adventureland slash Frontierland et je vais aller faire Enchanted Tiki Room que j'ai pas du tout fait depuis le début de mon séjour. Et je suis en train de me taper de nouveaux coups de soleil. Regardez, il y a la trace de clochette sur le torse. On adore. My name is Claude, and my loquacious cousin over here is... I'll introduce myself if you don't mind. Hi there. I'm, well, listen now. That wizard was for my good friend, Fritz. Ach, Tulima, I almost fell out of my upper perch. Glad to see you all aboard, ashore, or wherever you are. In the tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-room, in the tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-room, all the birds that work and the flowers groom. In the tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-room. Mesdames and messieurs, introducing you the beginnings of the ensemble. Just like the folie bergère with all the feathers. There's Colette, hello Colette. Suzette, hello Mimi. Gigi, Fifi, and the Pippi, Josephine. I wonder what happened to Rosita. It all seemed like so very same. Tweet, 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 tweet. L'accent français dans cette attraction, c'est un truc de fou. Donc j'ai refait Enchanted Tiki Room. C'était plutôt cool de refaire cette attraction qui est quand même iconique des parcs Disney américains. J'aimerais bien tenter un jour la version, je crois que c'est au Japon, qui a Stitch dedans, que j'aimerais beaucoup voir. Et truc que j'avais complètement oublié, à la fin de l'attraction, au moment où ils vous disent de sortir, les oiseaux chantent Hi-Ho de Blanche-Neige et les 7 Nains. Donc ça, je trouve ça plutôt cool.